Ça m'embête de pousser contre des CRS qui sont des citoyens comme nous, des gens issus des milieux populaires, un petit peu les mêmes milieux que nous. Donc voilà, j'ai poussé, mais sans avoir l'intention de faire de mal à qui que ce soit, enfin, sauf à Macron, bien sûr. Oh, monsieur Macron, on vous attend, on sait pas où c'est que vous êtes, monsieur Macron. Mais je vous attends, point débat. Vous voulez un débat, la salle est disponible. Monsieur Macron, vous voulez inviter l'association, comment, Pierre, Soulèvement de la Terre, qui ont cassé la gueule à 50 CRS, qui ont brûlé des véhicules et tout, qui coupent des bassines, que les mecs payent finance pour pouvoir arroser leur champ de maïs. Je n'ai jamais songé initier une telle invitation. Et vous parlez au président de la République qui a assumé de faire passer en Conseil des ministres la dissolution de Soulèvement de la Terre. Donc toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. La confrontation, ça ne produit rien. Dans le dialogue, il peut y avoir des désaccords et des accords, mais au moins, on se cause et on met sur la table ce qu'on peut faire et comment on avance. C'est mon père qui a 72 ans qui s'occupe de la ferme. Mais moi, le contact, j'ai jamais arrêté. Vous conseillez, avec le terrain. Non mais, non mais, arrêtez. Non, on va pas. Non, on va arrêter. Mais moi, je n'ai jamais, arrêté de me déplacer, d'aller sur le terrain. Allez où? Allez avec moi. Monsieur le président. Monsieur le président. Monsieur Prince. Je viens de rencontrer le président de la République. Ça fait plaisir de pouvoir l'approcher, mais bon, il est à l'écoute, mais bon, on attend le résultat maintenant. Vous n'êtes plus le bienvenu, monsieur Macron. Eh, il faut partir. Voilà ce qu'on vous demande.